Vas-y, vas-y, on a un truc à faire ou pas là? Siège. Ouais, je suis dans le fauteuil. Non. Dark revient. J'ai des symboles. Ok. Ok. Des symboles à la Stargate. Attends. Les igougouis. J'en peux plus des... J'en peux plus des igougouis. Alors, répondez sincèrement à la question. Ok. Répondez sincèrement à la question. J'ai un livre. Mec, on a été capturé par un kraken. Alors, j'ai un livre. Qu'est-ce que j'ai dedans? Château, soyez, non, peut-être, oui, justice, puissance, salutation, arme, personne, explorateur, désir, flotte, bonjour, sombré, oh, vous êtes sérieux? Ami, ville, le amour, veut nous buter, là, hein. Haut, ennemi, bouffon, vengeance, roi, insulte, blessé, attends, j'ai besoin de regarder. Ok, mec, c'est juste pas drôle. A écrit. J'ai plein de symboles pourris dans tous les cas, dans tous les endroits. Ouais, alors moi j'ai des symboles que je peux pousser, alors j'ai un truc avec une oreille, et quand j'appuie, alors c'est simple, tu vois le kraken, il vient de nous attraper, il a ouvert sa bouche et il y a un œil. Quand j'appuie sur l'oreille, il pousse un cri. Il fait voilà. J'espère que je l'ai hyper bien fait. Maintenant tu le mets en accéléré et tu augmentes le ton de 3 demi-tons et on est bon. Ensuite j'ai plusieurs symboles de partout avec une manette. Alors, okay. Qu'est-ce que tu dois faire toi? C'est quoi qui est marqué? Alors moi il me dit, répondez sincèrement à ces questions. Ok. Ok. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 symboles. J'ai 6 symboles. Alors, pour t'expliquer, moi, j'ai une colonne de 4 symboles et ils apparaissent sur mon écran. Et à côté, j'ai d'autres symboles. Donc, j'ai 4 symboles principaux. Mmh. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 symboles à ma droite. À gauche, j'en ai 4, à droite, j'en ai 12. D'accord. Je dois les faire et... Donc moi, j'ai un écran avec 6 symboles et ensuite, j'ai 3 petits symboles dans un espèce de petit truc à clapet. Et j'ai 3 leviers. Ouais, je donne sûrement une question. Non, pour l'instant, il pousse juste un cri avec l'oreille. Je l'ai déjà décrit tout à l'heure, mais... Ok, alors... Juste un cri. Ah, transmettre. Je peux transmettre le truc au mec. Donc je peux lui transmettre une histoire. Donc à mon avis, avec ce que tu as, oui, les symboles, on doit dire le truc au monstre. Je pense qu'il faut communiquer avec le monstre. Ok. Alors j'ai un livre. Oui. Accroche-toi parce qu'il y en a des choses. Hein. J'ai un livre avec des mots. Oui. Chaque mot correspond à des symboles ou à des des combinaisons de symboles. D'accord. Ok. Au niveau du lexique, je te donne les mots qu'on peut envoyer. Château, soyez, non, oui, peut-être, justice, puissance, salutation, ça me paraît bien. C'est quoi les questions qu'il fait? Il pose quoi comme question? J'ai pas de question. C'est-à-dire répondez sincèrement aux questions. Bah justement, je me dis, il faut qu'il nous pose une question et après, nous, on est censé dire bonjour. Tu veux pas lui dire bonjour? Ah oui, alors comment on dit bonjour? Alors bonjour, c'est quoi? C'est une espèce de œuf à la coque avec une croix dessus. On est dans la merde. Ah oui. Un œuf à la coque avec une croix dessus. Alors, attends. La vérité, c'est ça. Alors, attends, mais j'ai pas d'œuf à la coque avec une croix dessus. Ah mais peut-être que c'est moi qui peux le faire le bonjour. Attends, laisse-moi regarder. Est-ce que j'ai un œuf à la coque? Ah, je l'ai l'œuf à la coque moi. Ah mais c'est pas une croix dessus, c'est un bitonio. Attends, j'essaye. Ah, je suis con, ça fait juste retourner les choses en fait. J'essaye. Tu fais quoi? Oh putain. Non. Non. Qu'est-ce que tu peux faire toi? Je vais lui dire bonjour. Bonjour. Et comment tu fais? Je sais pas, j'ai sélectionné œuf à la coque et je lui ai envoyé. Mais il se l'a envoyé où? Je sais pas en fait, j'ai juste un... En fait, j'ai pu sélectionner le symbole œuf à la coque. Et après, j'ai un levier au niveau de l'œuf et j'ai cliqué dessus et j'ai entendu... J'entends juste ça. Attends, parce que moi aussi, j'ai un levier pour transmettre des trucs. J'ai des symboles, mais moi, j'ai genre deux symboles à remplir et ensuite tirer un levier pour... Ah, mais c'est bien ça, parce que bonjour, en fait, c'est l'œuf à la coque. Plus un espèce de œil full noir ou de losange tout noir. Donc, Attends, un losange? Tu me dis, il y a un losange et l'œuf à la coque, c'est quoi? Attends, il ressemble à quoi? Décris-moi le truc forme par forme, vas-y. Tu as un plus. Un plus? Oui, et en dessous du plus, littéralement, un œuf à la coque.
Ah, je l'ai pas. Moi, j'ai une sorte de capote. J'ai une sorte de chaise. Je suis fatigué là. J'ai une sorte de trident inversé avec un bâton, un rond. J'ai une sorte de X avec une barre sur le au-dessus du X, un rond et une barre sur le côté. Une sorte de X croisé avec un cerceau et deux ronds. Ou soit j'ai une vague, tu vois. On n'a pas les mêmes symboles. Oui, non, on n'a pas les mêmes symboles, d'accord. Par contre, j'essaie de lui transmettre un truc. Alors attends, est-ce qu'il faut pas qu'on complète les symboles avec à chaque fois, en fait, si tu veux, les mots dans le lexique, chaque mot correspond à deux symboles. Alors, vas-y. D'accord. Ah, donc l'œuf... on doit transmettre tous les deux en même temps. À même mon truc, avis, en fait. Ouais, parce que l'œuf à la coque, je l'ai, et par contre, l'espèce de losange plein, je l'ai pas. Moi, j'ai peut-être un perso qui dit bonjour, tu vois. Alors, et j'ai le losange plein. On le fait. Alors, tu l'as le losange plein. Alors, on va faire un truc. On va faire un petit 3, 2, 1. Et on va lui envoyer en même temps le bonjour. Est-ce que t'es chaud? On essaye. T'es prêt pour. Toi, attends, mais un œuf à... Ah, si, l'œuf à la coque. Mais je l'ai, l'œuf à la coque. Merde. Losange, œuf. Mais c'est ça, l'œuf à la coque. Mais attends, mais c'est pas un œuf à la coque, c'est une capote. C'est une capote avec une croix dessus. C'est un œuf à la coque. C'est pas un œuf à la coque là, dans le sérieux. Tu vois un œuf à la coque là? Mais oui, rassurez-moi, c'est un œuf à la coque le chat. On me dit c'est ça, c'est un œuf à la coque. Mais oui, les gens ils sont d'accord avec moi, ils disent que c'est un œuf à la coque. Mais non. D'accord. Bon, ça marche. Alors losange plein et œuf à la coque. Okay, non, non, inverse. Œuf à la coque, losange plein. De toute façon, moi je peux pas parce que mon œuf à la coque il est à droite et le losange plein je dois le mettre à gauche. Je peux pas faire autrement. Bah vas-y YOLO. Sinon, vas-y. YOLO, vas-y. Fais le test. Ok. Transmettre. Oula. Il a sa pupille a viré au vert. Ouais, il a enlevé un tentacule. Alors là, on a dit bonjour. Ah, il a fait un symbole moustache. Ah! Alors attends. Enfin, une sorte de moustache, je sais pas si c'est une moustache, mais tu vois. Une barbe. Ah, puis il a fait un autre truc après avec une barre. Alors. Moustache et barre. Alors attends, laisse-moi regarder le lexique. Il a fait une sorte de moustache et une barre ronde un peu. Barre horizontale, tu sais, légèrement au bord arrondi, tu vois. Ça fait un rectangle mais arrondi. Attends. Wotanement, zéro réponse dans le chat, ouais, je balance. C'est faux, mais non, il y a Dark D3R22, il a mis c'est ça, œuf à la coque. Quelle bande de bâtards. C'est des bâtards. C'est dans le chat, les gars. Moustache et un moins, ouais, c'est ça, un moins. Alors. Moustache et moins. Moustache et moins qui est plein, hein, c'est ça? Oui. Oh putain. Alors, je regarde, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai un moustache et infini. Donc, déjà, c'est pas ça. On est d'accord que c'est vraiment une grosse moustache vraiment balèze. Ouais, qui remonte vachement. Hein, qui remonte vachement. Ok, je l'ai la moustache. Hein. C'est une sorte de W rond, quoi. Ouais, exactement. Donc moi, j'ai une moustache avec un infini avec une croix dedans, donc c'est pas ça. Non. Ensuite, j'ai une moustache avec un triangle Illuminati, c'est pas ça. Non. J'ai une moustache avec... ouais, une capote. Une capote, ouais. J'ai une moustache avec un œuf à la coque. Ok. Non. J'ai une moustache avec un bonhomme. Ah mais attends, il le fait deux fois. Alors attends, il fait deux moustaches et un moins, je crois. Ouais, mais j'ai que deux symboles par mot en fait. Hein. J'ai que deux symboles par mot. Justement. Ah parce que là, c'est clairement, on voit clairement les ondes sonores. De toute façon, je sais qu'il y a un truc à faire avec les sons, mais moi je peux pas. Donc là, c'est forcément toi. Ah, attends. Ok, bouge pas. Bouge pas. Je vais faire tous les trucs un par un. J'aimerais bien passer pour un con à faire des imitations, mais faut au moins que tu puisses les traduire les trucs, parce que sinon je vais pas te faire des imitations de Kraken tous les jours. Donc là, tu me dis que le premier bruit, c'est un espèce de bruit de dauphin. Ça fait. Ok, ça c'est ok. Et ensuite, c'est un bruit plutôt en mode. Attends, après ça fait. J'arrive pas à le faire. Ok. Comme ça. Et après il fait. Comme ça, en rotant quoi. Et moustache moins. Et je pense que du coup, t'auras moustache plus un symbole. Et donc t'arriveras à décoder le symbole.
Du coup, tu sauras que les trois mots, il y a trois mots qu'elle a dit. Manger. En trois mots. Manger. Très bien. Alors ? J'y vais à tâtons, c'est pas simple. J'ai peut-être une piste. D'accord ? Il faut que tu me donnes 30 secondes. Ok. Donc là, j'ai vous. Là, j'ai vous. Ok. C'est qui êtes-vous ? Ça veut dire qui êtes-vous ? Je pense, mais ce qui me fait chier, c'est que dans mon bouquin, j'ai pas. J'ai bien le qui. En fait, j'ai qui, j'ai vous, et j'ai pas le être au milieu. Pas dans le lexique, en fait. Putain. Et je me dis, ça peut être que qui êtes-vous, en fait. C'est pas grave, de toute façon, il faut juste lui répondre après. Donc, du coup, alors, attends. Alors, on peut lui répondre ami. Ça te convient ou pas ? Hein ? Qui êtes-vous, ami ? Ça te va ? Pour répondre sincèrement, tu peux pas plutôt dire voyageur ? Ok, alors, est-ce que je l'ai, le voyageur ? Ah, attends. Château, soyez, non, peut-être oui. Justice, puissance, salutation, arme, personne, explorateur. Partage, explorateur. Respect, explorateur, ça te va ? Explorateur ? Ouais. Ok. Explorateur, c'est le triangle Illuminati, mais. Pas le triangle. Putain. C'est un truc de Star Wars ? Non. Tu prends un triangle. Ouais. Sauf que, en fait, moi j'ai un triangle où tu as un rond au milieu et un triangle où tu as uniquement un demi-cercle au milieu. Ouais, exactement. Ouais. Et bah, c'est celui avec le demi-cercle. D'accord. Et ensuite, la moustache. Ok. Et ça veut dire explorateur. Ça te va ? Je transmets. Transmets, bébé. Ok, j'ai entendu du bruit là. Il a enlevé un autre tentacule. Ok. Donc losange, moustache, moins. Losange, moustache, moins. Et alors, il faut que je te décrive les sons, c'est ça ? Je crois que c'est ça, ouais. Losange, moustache, moins. Au début, il fait. Alors attends, on va le faire. Il refait le roux aquatique. Et le dernier, il fait. Enfin, il fait un autre. Mais plus. Avec un ton différent. Donc le premier, il fait. Ça. Attends, laisse-moi le chercher. Laisse-moi le chercher parce que j'ai énormément de symboles en fait. D'accord. Non, mais. Je pense que je l'ai trouvé. C'est vraiment le truc pour se foutre de notre gueule, ça. Ouais, hein. Et je pense que je l'ai trouvé one shot. Donc bouge pas. Et honnêtement, pour l'instant, ça commence mal. Hein. C'est entre ennemi et bouffon. Hein. Ah bah, ennemi et bouffon, c'est bon. Il demande si on est ennemi avec le bouffon. Ceci dit, c'est pas con, mais laisse-moi y aller par étapes quand même. Alors honnêtement, attends, je vais quand même faire tout le bouquin pour être sûr qu'il n'y ait pas éventuellement un autre mot. Genre connard. Vous êtes un trou de balle, bonsoir. Honnêtement, je pense, chers amis, qu'on est bien parti entre ennemi et bouffon. Ça peut être qu'un des deux. Hein. Je regarde. Non, pour moi, c'est ça. C'est ennemi. C'est l'ennemi du bouffon. Alors attends, laisse-moi. Êtes-vous ennemi du bouffon ? Ah, si, ça fait un bon bruit, genre de sanglier, non ? C'est ça ou pas ? Alors attends, je le réécoute. Le premier fait. Ouais, c'est un sanglier. Ensuite, il fait le roi aquatique. Ouais, c'est un bruit de sanglier. Et après, il fait. En fait, il fait les deux un peu pareil, tu vois. Il ronronne un peu des deux pareils. C'est ça, fait. Oh, il fait. Comme ça. Attends. Donc, ça c'est ok. On a dit que c'était ok. Et l'autre, il fait. Un truc comme ça. Okay. Salut, Elé. Je change de symbole. Ensuite, tu peux me donner le deuxième. Le roux aquatique, tu sais, tu l'avais déjà eu dans l'ancien. Le roux aquatique, celui qui fait. Je sais pas le faire. Ça fait des bulles et tout. T'entends des bulles. Ça fait. C'est pas ça. Attends. Il fait vraiment. Il fait un roux dans l'eau, quoi. Par contre. Et donc, sur les symboles, on a. Losange. Moustache. Et moins. Merde, pardon, j'ai mis un coup de micro. Entrez. Ok, c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a combien de tentacules ? Parce que purée. Ce tombeau sera votre tombeau. C'est moi ou ma caméra, elle est vachement plus loin que d'habitude ? Alors, ce serait celui-là. Alors, en fait, ce qui est vraiment, vraiment déstabilisant, c'est que tous mes mots sont composés de deux symboles
Et tout ce que tu me donnes depuis tout à l'heure, ce sont à chaque fois des combinaisons de trois sons, donc de trois symboles. C'est très compliqué du coup à comprendre en fait. En termes de compréhension, c'est là où c'est très compliqué. Et là, le problème, c'est que là, c'est toi qui fais. Moi, je. Ouais, tout vraiment... à fait. Bah, moi, j'essaie de retrouver en fait tes imitations de bruit. J'arrive à retrouver tes imitations de bruit, mais tes imitations de bruit me donnent qu'un seul et unique symbole à chaque fois. Et moi, après, chaque. Bah, j'ai le symbole qui l'accompagne, quoi. Ah bah tiens, bah t'as ta réponse, frérot. Ok. De quoi tu viens de me dire, t'as le symbole qui accompagne. Est-ce que tu peux me dire. Et depuis tout à l'heure, je te le dis, le symbole qui l'accompagne. Est-ce que tu peux me dire le symbole qui allait avec Et tu sais que depuis tout à l'heure, je te le dis, en plus, et tu t'ignores complètement ce que je te dis, alors que je te fais, oui, il y a mon moustache, losange et moi. Ah non, ça je les ai. Oui, mais tu me donnes... Là, ça, c'est trois symboles, ce que tu me donnes. Ouais, et ensuite, je te donne les sons. Oui, en fait, il y a trois symboles, trois sons, on est d'accord? J'en sais rien, moi. Bah, toi, tu me donnes... Toi, tu vois trois symboles. Le symbole accompagne toujours le son. Très bien, donc tu me donnes bien trois symboles pour trois sons. Ouais. Très bien, j'ai un lexique. Dans mon lexique, chaque mot, c'est deux symboles. Je dis bien chaque mot. Le mot bouffon, c'est un espèce de petit bonhomme avec un losange. Oui, mais alors, attends. Ouais. Moi, je te donne à chaque fois le symbole accompagne un son. Donc, ce qui veut dire que ça correspond à deux symboles. Et comme tu me dis que deux symboles est égal à un mot, c'est bon. Il est vrai. Bah oui, bah du coup, voilà, je sais pas, tu me dis ça tout à l'heure, mais moi j'ai bien compris, hein, ce que ça veut dire. Donc c'est bouffon, on est bien d'accord. Bouffon. Bah oui, ouais, du coup. Putain, bon. Moustache. Depuis tout à l'heure, je te dis ça, c'est bon. C'est bon. Il me dit. Oh putain. En fait, je te fais l'ordre. D'abord, je te donne les symboles, mais en fait, c'est l'ordre. Ok, toujours, ouais, ok. Losange, moustache. Il fera losange, moustache et moi. Ouais, losange, et moustache je te et moi. Le son qui l'accompagne. Alors, avec tu, le losange. Tu peux me donner que le troisième son. Le dernier son avec le moins, ça fait un truc comme ça, à peu près. C'est quoi la différence entre ton premier son et le troisième ? Le ton, la tonalité un petit peu qui change, parce que c'est vraiment des sons très similaires. Alors attends, mais différents quand même. Le premier, je réécoute, ça fait... Le plus clair, c'est le premier ou le troisième ? C'est le premier. D'accord. Et l'autre fait... Ouais. Il part vers le bas. Ouais, le ouais. Premier fait... Ouais, c'est, fait... Ça, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Alors... C'est ça. Ah, c'est chaud, hein, parce qu'il y a tellement de combis, Cimer. Hein. Donc, on a dit que le premier, c'était un losange. Donc là, en gros, il me dit quoi ? Il me dit roi. Il me dit roi. Ennemi bouffon. Il me dit roi. Le deuxième, c'est... Ah, je me demande si je peux t'envoyer les sons comme ça. C'est attends. Roi. Comme ça, t'entends ou pas ? Vas-y, refais. Que dalle. T'as cliqué droit pour avoir le truc ? Ah, attends. Ah oui, vas-y. Alors ? Que dalle. Non, ça marche pas. Alors, roi, du coup, ouais. Ouais, attends, je me remets dessus parce que... donc, on a dit qu'en gros, là, c'était... Ça se trouve, il doit dire roi est ennemi. En fait, j'ai l'impression que c'est roi, ennemi, bouffon, en fait. Hein. Roi, ennemi... Non, attends. Non. Après, ça nous arrange pas parce que ça veut dire qu'on doit répondre à ces questions et s'il nous fait une affirmation, on est un peu dans la putain. Merde. Putain. Non, ça, c'est le troisième. Ça, c'est le troisième, celui-là. Donc, je touche pas à ça. Non, c'est... Non. Non, non. On a dit... C'est roi... Oui, il fallait essayer, oui, non, ça aurait été pratique, ça m'aurait évité toutes ces imitations cheloues, sachant qu'il y a 8 tentacules à faire. Putain, mais ça me trigger, là. Attends, on va juste... Parce que ce roi, soyez bouffon, non, c'est juste pas possible, les mecs. Je vais réessayer l'infini. Est-ce que c'est bien celui-là ? On est d'accord que le deuxième, si, c'est un roi dans la flotte, hein. C'est le roi dans la flotte, ouais. Ah, ça fait... Ah, c'est vraiment genre il...
Ouais, mais c'est celui-là, c'est celui-là. Ça, c'est un Raw dans la flotte. Et sachant que tu m'as dit que c'était moustache, franchement, Raw dans la flotte plus moustache, c'est bi, c'est être. Ah, roi être bouffon. Oh, putain, le roi, c'est le bouffon? C'est pas possible, il nous pose des questions. Ah bah là, j'ai roi, j'ai king, bi, bouffon. Qui? Non, j'ai king, bi, jester. Non. Roi être ennemi. C'est pas Ah, bouffon. le roi Ouais, l'ennemi. c'est pas le Et du coup, bouffon, on répond oui. ouais, c'est le roi et l'ennemi, c'est pas le bouffon. Ok, donc on va Ok. répondre oui. Ok, tu as raison. Ouais. Le roi et l'ennemi. Putain. Je veux pas te planter, hein. Alors le yes, écoute bien, le yes, c'est un infini avec une ligne horizontale, Ouais. plus le fameux losange full noir. Il Bah, en... tant que c'est vert, je pense qu'il est content. Ouais, C'est il a enlevé bon. son tentacule. Il en reste plus qu'un seul, hein, de tentacule, ou pas? Non. Ah, il Putain. refait le gyrophare. Heureusement Avec qu'on une n'est pas. barre verticale. Heureusement qu'on n'est pas dans un hentai, parce qu'il y en aurait 50 des tentacules, ce serait infini, hein. Il reste encore un Ok. tentacule, hein, donc dis-moi. T'es prêt? Alors, le premier, c'est le gyrophare. Comme tout à l'heure, il fait avec la barre verticale. Premier symbole. Le premier symbole, c'est une barre verticale. Alors, si tu permets, on va faire une méthode qui sera beaucoup plus simple. Ok, donc je sais c'est lequel, d'accord? Ensuite, avec une barre verticale, on va tout de suite sortir le mot. Comme ça, au moins, on l'enregistre direct. Alors, Ouais. vague plus une. Alors, on est d'accord que c'est une barre verticale, style un peu plug Anna, quoi, tu vois? Ouais, bah de toute façon en fait parce que moi j'ai que 4 symboles à chaque fois que tu sais qu'ils me donnent sur Ok, donc cela. ça veut Les dire quoi? symboles. Ça veut dire quoi? Le premier c'est quoi? Oui. Mais il va sûrement dire quoi vous cherchez, un truc comme ça, non? Vas-y, on continue, on verra si c'est cohérent. Ensuite. Alors là, il fait. Genre, il fait. J'arrive Alors, pas trop à faire, ouais, ne mais bouge ça fait. pas. Merci la reverb. J'essaie de le réimiter. Et c'est une moustache. Attends. Ça fait. Ah putain, j'arrive pas à très bien Est-ce que imiter, mais. ça ressemble à un bruit de maracas? Non, ça, c'est le dernier. Putain, merde. Alors, attends. Le dernier, c'est les maracas. Attends, attends. Tiens, d'ailleurs, attends, je fais bien d'en parler. Le dernier, c'est maracas. Ouais, le dernier, c'est des maracas. Maracas moustache. D'accord. Le deuxième, c'est un. Le deuxième, c'est un bruit très alien. Ouais, un peu alien, ça fait. Ouais, ok. Voilà. Et Attends, alors, non, non, moustache. non, non, pas trop vite, pas trop vite. C'est un bruit alien grave ou qui part dans les aigus, en montant ou en descendant? Donc ça part vers le bas. Et ça Attends, je fait. le Et ça réécoute, fait. je réécoute. C'est Ok, ça. mais vers le bas. Vers le bas. Ouais, ça part de haut vers le bas. Crois que c'est la meilleure imitation que j'ai pu faire là. Putain, c'est en fait, j'ai beaucoup beaucoup de sons. Ouais, C'est j'imagine. très compliqué pour toi de les restituer. Attends, j'hésite entre deux, donc bouge pas. Alors, on va Sachant que ce faire. sera moustache. Et c'est. Alors, sachant que le deuxième, c'est le son que tu m'as donné, ok, avec une moustache, c'est ça? Maracas moustache. Ouais, les deux c'est moustache. Les deux Ah, ok, derniers les sont deux c'est moustache. moustache. Alors, attends, bouge pas. Je vais voir ce que ça peut me donner. Alors, en gros. Trop dur. De toute façon, j'ai qu'une seule combinaison possible. Pour le 2, j'ai qu'une seule combinaison possible si j'ai pas été mauvais. Et là, ça m'inquiète parce qu'en gros, c'est quoi? Ah, quoi, Explorer? Ah, quoi, Explorer vouloir ou une connerie comme ça, non? Oui, et à mon avis, on doit lui dire qu'on cherche. Merde, qu'est-ce Alors, qu'on cherchait dans le Nautilus? attends, Merde. on va le valider quand même. Dis-moi le troisième. Les maracas avec la moustache. Maracas, moustache. Donc les maracas, on avait trouvé ça où? Alors attention, maracas, j'en ai trois qui se ressemblent. Attends. Oh fuck. Attends, je vais te Oh, dire je vais ça. essayer de te les restituer. Alors, attends. Donne-moi 30 secondes, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je réécoute juste les trois au calme. Ah, c'est maracas plus un petit son derrière après, c'est pas fini. Attends.
J'aurais dit serpent à sonnette un peu. Ça faisait un peu serpent à sonnette. Alors, j'ai... Il se coule la queue. Écoute bien. J'ai un vrai bruit de maracas, d'accord ? Ouais. Ensuite, j'ai un bruit genre double coup de serpent à sonnette. Genre... Ok. Et le dernier ? Et le dernier, c'est vraiment un mélange de maracas alien avec une espèce de truc très bizarre. Oui, parce que ça fait... Tiens, un truc comme ça, non ? C'est ça ? Alors, attends. Le troisième, ça fait... le troisième, ça fait... Ça fait... Ça fait... C'est un peu ça, non ? Oui, c'est le deuxième, ok. Ok, c'est celui-là. Il y a une espèce de bruit fuyant à la fin, t'as oui, raison. Ça revient à la fin, c'est... Ok, cool. Donc c'est l'espèce d'œuf avec le moustache. Truc... Désir, ça veut dire désir. Quoi, explorateur, quoi, désir. Désir. Quoi, explorateur, désir. Quoi, okay. Explorateur, désir. Notre objectif. Est-ce que dans ton livre, t'as ce qu'on veut ? Alors, je vais regarder ce que j'ai dans mon, dans mon livre. Hein. C'est un matériau pour la tour de télescope, mais je sais plus ce que c'est. J'ai château. Dites amour. Château, soyez non, peut-être oui. Moi, vouloir tentacule. Ah, il y, y a justice. Il y a justice. Mais c'est pas ça qu'on veut. Et on veut s'échapper. Alors, justice, puissance, ça me paraît une connerie. Arme, ça me paraît être une... Ah, mais si, c'est une arme qu'on est en train arme. De faire. Bah ouais, on fait une arme. Attends, attends, laisse-moi aller jusqu'au bout, parce que si on dit de la merde, oh putain. Donc, il y a justice, puissance, arme, personne, je pense pas. Désir. Désir. Flotte. Ouais. Ami, ville, amour. De l'eau, si tu veux. Sur un burger, là, maxi best-of, si tu veux, c'est avec ça. Une grande frite. Putain, il y a vengeance, mais c'est pas ça. Nous, notre objectif, c'est pas de la vengeance. On est en train de reconstituer une arme. On veut une arme, on veut une arme. Ouais. Après, si tu veux, tu peux lui demander de t'insulter aussi. Il y a insulte. Qu'est-ce que vous voulez ? Insulte-moi, bébé. Le service après-vente. Insulte-moi, bébé. Tu connais le code, tu peux tout lui demander. Ah, il y a un mot. Il y a un mot qui est. Alors, attention, il faut réfléchir quand même. On est en train de construire une arme pour faire quoi ? Pour s'échapper. J'ai deux mots disponibles qui sont intéressants. J'ai le mot échapper. J'ai le mot arme. Bah, arme. Nous, on veut ramener une arme, là. Oui. Ah, on veut s'échapper, sinon. Bah, le projet global, depuis le début, c'est de pouvoir nous échapper, quand même. Hein. Ouais. Maintenant, pour s'échapper, on a besoin de l'arme. Ah ouais, putain. Enfin, de toute façon, on peut tester l'un ou l'autre. Je pense, au pire, il va gueuler et puis on recommence. Ok, enfin, Oh, s'il faut tout recommencer. T'imagines. Bon, alors, on se pose 30 secondes, on souffle, on est posé. On essaye arme d'abord, on essaye échapper. On essaye échapper. Vous pensez quoi ? On essaye échapper. Tu penses que toi, ce qu'on veut dire, c'est juste qu'on veut s'échapper. Ah non, mais il faut qu'il nous ramène une arme. Parce que nous, en fait, s'il nous dit s'échapper, ah ouais, il nous demande ce qu'on veut. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, parce que si tu veux t'échapper, il va te dire bah vas-y, échappe-toi, salutations, et puis des bisous, ouais, en fait. Ouais. Hein. Et je te ramène là-haut. Ouais, non, allez, on part sur arme, ça te paraît. Ok. Ouais, vas-y, arme. Alors, arme, c'est le triangle avec le demi-cercle à l'intérieur. Oui. Et le plug anal, là. Enfin, les boules de Gaïcha. Oh putain, oh, j'avais pas l'image, mais c'est terrible. Mais c'est ça, hein. Ce sont des boules de Garisha. Oh, putain, j'espère que c'est ça. Ah non, il a pas, ça lui a pas plu. Ok, c'est pas grave. Ok, il a pété la vitre, il y a de l'eau qui rentre. Bon, et ben maintenant, dis échapper. T'es sûr que tu veux pas faire une étape intermédiaire en mode on veut juste de l'amour? Non. Non, je déconne. C'est pas le moment. Je déconne, ok. Je sais pas si l'eau rentre, s'il se passe quelque chose. On a dit quoi ? On a dit s'échapper, hein. Oui. Alors, échapper, escape. La vague arrondie. Oui. Et le moins. Putain, dis-moi que c'est ça. Dis-moi que c'est ça. Oui, c'est bon. Putain. Eh, on l'avait en vrai, hein. Ah oui, on l'avait. On l'avait, hein. Fallait juste dire s'échapper, quoi. On l'avait quand même, hein. Mais bon, c'est ambigu parce qu'on notre mission c'est là. C'est ambigu parce non, qu'on ouais. cherche une arme. C'est on ça, cherche à construire une arme pour s'échapper, donc c'est oui. C'est exactement ça, en fait. Oui, le petit pète dans le. Après, en vrai, je sais pas, je pense que tu dois avoir 2-3 tentatives, 2-3 chances. Alors là, on reclique sur les leviers, ouais.
Et bah. Ça marche ou pas là? Je crois qu'on doit relâcher en même temps. Ah non. Vas-y. Ok, le jeu est cassé. J'avoue. Et là, il y a un autre poulpe qui nous attaque. Ah non, je veux plus là. Je veux plus. Bon, au pire, on inverse. Hein. Oui, non, mais après, tranquille. Non, mais il n'y a pas de raison qu'on se retape une session. Alors, tu profites de ces gouttes d'eau qui font pas lag le jeu. Ouais, de ouf. On est en train de descendre encore là. Hein. Ah ouais. Oh merde. Bah, ça sent encore une épreuve, tu sais. Oh mais. Le truc infini quoi. Mais je sais on pas. On a eu trop d'épreuves sur celle-là. En fait, le gros problème de ce jeu, notamment, c'est qu'il manque un petit indicateur quelque part à un moment donné qui dit ça va les frérots, la game elle est save quoi. Parce que là, comment ça se passe? Ça save maintenant, ça save pas, et ça save à la fin quand t'as fait vraiment le full Nautilus Tentacule là. Je pense que ça sauvegarde à chaque étape passée. Hein. Tu penses, ouais, d'accord. C'est vrai que j'hésite aussi, moi c'est pareil, je suis en mode bon, moi dans ma tête j'étais en mode on termine le Nautilus, on arrête le live. Oh, c'est exactement ça, c'est exactement ce que je me disais. Tu travailles demain? Ouais. Ouais, chaud. Hein. Non, mais après, j'assume. T'es content, on regarde la grosse sphère là. Ouais, c'est 2 heures. Ouais, le truc là, eh ben, c'est clairement pas un truc où tu vas juste prendre l'arme et te barrer. Hein. J'assume. J'assume, sa mère. Alors, Ascenseur. Ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Ah, mais attends, mais il y a 2 ascenseurs. Waouh! Alors, ah ouais, mec, c'est... Oh là là. Ah, il y a un ascenseur pour chacun, c'est ça? Oh, on va être splitté encore. Faut remettre du courant, là. Ah bah, je crois que c'est le truc à forger en bas.